Mesdames, Messieurs, bonsoir. Yon plaisir, l'autre fois encore pour ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien. Moi, c'est Jacqueline Belizère, avec un grand point cap dominé, actualité. Actualité internationale, l'armée israélienne a annoncé qu'il prend la vie d'un commandant Hezbollah pendant puissance occidentale a dénoncé menace et augmentation de violence dans la région Moyen-Orient, surtout à conflit Iran-Israël. Toujours dans l'international, l'ancien président républicain Donald Trump a comparé jeudi pour un deuxième jour, une après l'autre, dans un tribunal dans New York, dans le cadre d'un procès criminel. Et puis, dans le pays d'Haïti, le conseil des ministres promet pour le faire nomination membre conseil présidentiel transition dans le meilleur délai et dans les plus bonnes conditions possibles. C'est pour ça, yo. Avec l'autre quoi, nous allons développer pour un rendez-vous info pour jeudi, c'est mardi 16 avril 2024. Et actualité a mené nous d'abord dans la région Moyen-Orient, côté que situation était très tendue. L'armée israélienne fait annoncer que li prend la vie yon commandant Hezbollah dans le sud Liban, pendant que puissance occidentale yo-même yo a exprimé qu'elle sautait yo pour pas gagner yon violence qui est escaladée dans zone nan. Et surtout avec conflit entre Israël avec Iran et Konya, ces menaces qui sont des deux côtés. Sandra Lemaire, gen détail. Chef militaire Israël a dit pays li pral répondre à attaque à missile Iran te lancé contre le week-end passé. Cependant, li pa bay détails sur qui le ni qui jan. Lieutenant général Herzi Halevi déclaré lundi que Israël a réfléchi sur prochaine étape li pral poursuivre et que attaque à missile iranien ak drone yo lancé pral joindre réponse. Iran will face the consequences for its actions. We will choose. Il dit Iran va faire face à conséquences action liées. Nous pourrons choisir réponse nous pas conséquent. Halevi te parlé comme ça pendant une visite était fait dans la base aviation Nevatim là que Israël dit subit attaque légère pendant attaque iranienne. Premier ministre Benjamin Netanyahu te rencontré responsable haut placé gouvernement pour discuter sur une réponse possible. Téhéran lui-même dit il paraît pour Israël. Hossein Amir Abdollahian, c'est ministre affaires étrangères pays. Le dit-il, régime israélien en fait une erreur. Quoi ça, réponse Iran, Jean, commandant militaire iranien, dit, pas minime, mais plutôt immédiat et sévère. Leader mondial a encouragé Israël pour ne pas répondre à l'attaque Iran. Côté Téhéran, il a lancé plusieurs centaines de drones, missiles balistiques et missiles croisières contre Israël. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et bien, n'importe qu'on y a dans l'actualité concernant les États-Unis, division dans la Chambre députée, dans le moment gain pour voter, yo assistance pour Ukraine et Israël, semblait Taïwan. Jean-Robert Philippe dit nous, président Joe Biden encourage les députés yo pour voter même proposition loi Sénat, te voté à. Jean-Robert Philippe, gain détail, Jean-Robert, et pas la venon. Effectivement, Jacqueline, nouveauté qui gagne, c'est que pression continue à faire, malgré toutes les démarches qu'on a fait, mais pression continue à faire, surtout, bon côté, et conservateur, qui a cherché pour voir dans quelle mesure capable de forcer la main, et alors, président et chambre députée, à l'appareil de Speaker of the House, là, Mike Johnson, lui-même, pour l'état démissionné, et monsieur confirmé, et faut la faire, pour l'ouest, s'il t'a passé une proposition de loi qui pourrait assistance à Ukraine. Et puis avec Israël, eh bien, lui-même, pour lui-même, a fait démissionner à Pape qui sa pièce et simplement la continue de travail que tout le monde a fait des matchs pour lui, puis on m'a dit pour lui démissionner ou bien pour lui pousser d'eau pour lui placer, eh bien, par sa pièce. Et c'est ça, comme ça que l'administration dit, même l'attend que il fait proposition ouais, pour qu'il soit capable de commencer à discuter avec la démocratie sous proposition loi, ça, Jacqueline. Un député américain a considéré la possibilité pour voter une assistance séparée pour Israël avec l'Ukraine d'ici fin semaine. Non. Annonce a fait plus passer deux mois après Sénat et voté une assistance combinée pour deux pays concernés. We will vote on the Israel aid, on the aid to Ukraine, on the aid to the Indo-Pacific,
and then another measure that has our national security priorities included. N'a voté une autre mesure qui a priorisé la sécurité nationale. L'autre proposition de loi sous sanctions contre l'Iran semble liée. L'autre mesure, nous avons longtemps depuis n'a pas les deux. Assistance aux États-Unis a retardé à cause de volonté depuis de Johnson de Pagan pour considérer une assistance de 95 milliards de dollars à sénateurs de partis qui a approuvé en février 14 milliards de dollars à assistance pour Israël et puis 60 milliards de dollars à assistance pour l'Ukraine. Républicains ont un plan publié texte proposition loi jeudi mardi, mais il y a observé 72 heures ou bien 3 jours, il y a une période de révision avant votre là qui va faire pas plus tard que vendredi, d'après député Johnson. Approche président Johnson fait dans le capitole là capable d'inciter plus de députés conservateurs qui déjà pas contents à façon de diriger Chamnan. Il y a une parmi eux, c'est député républicain État-Georgie, majorité Lord Green, qui déjà menacé pour retirer député Johnson dans le poste là. I am firmly against the plan as it stands right now. Here's what Republican voters across the country know. They know that Speaker Johnson passed a two-part omnibus. Moi pas d'accord avec comme ça sous façon de présenter. Mais information républicaine dans pays a connaît. Yo connaît président Johnson voter un budget en deux parties pour financer ouverture frontière, différencier département justice là qui a adopté 91 chefs d'accusation fédérale contre président Donald Trump avec intention pour mettre en prison pour toute reste ville. Li financer FBI qui fait une descente dernier dans Mar-a-Lago avec construction d'un nouveau building pour lui. Je dis à la dit peuple américain avec électeurs républicains, il pral bail Ukraine 60 milliards de dollars, financer Taïwan, Israël, avec quelques assistance pour sécurité qui vient là-dedans, l'argent pour interdire TikTok. Président Joe Biden qui t'a accueilli dans la Maison Blanche, Premier ministre tchèque là, Peter Fiala, mandé chambre députée républicaine contrôlée pour accepter immédiatement assistance Sénat déjà votée. Il le fait jeudi à même. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. D'après de toujours ici aux États-Unis dans l'actualité, ben je veux dire c'était deuxième jour pour ces criminels historiques contre ancien président républicain Donald Trump et te gen moun ki pou et qui compte qu'ils devine faire autant de voyous. Nous gen sous place dans New York, Valerio Saint-Louis. Jodi mardi 16 avril ça, c'est deuxième jour dans procès historique contre ancien président Donald Trump là. Avocat de Patio a essayé choisi 12 membres jury dans ville New York là pour considérer accusation criminelle que l'ancien président américain a fait face avec lui et pour déterminer tout s'il est coupable ou soit innocent. N'a rappelé que c'est premier jugement criminel contre un ancien président ici aux États-Unis. Juge là dans tribunal là t'a dit candidat pour vinn membre jury yo que yo doit impartial et puis yo doit mettre sous côté n'importe parti pris ou soit attitude personnelle que yo t'a gagné sous accusé ou soit sous cas, surtout que Donald Trump là c'est yo cas qui gagne la donne influence orientation politique. 12 membres jury ça que yo pral sélectionné a pral gain pour yo tendre dossier criminel que Donald Trump candidat républicain pour président 2024 là a fait face avec lui avant élection 5 novembre année ça. Processus sélection membres jury yo t'a duré à peu près une semaine. Bon côté pas le procureur district Manhattan Alvin Bragg, un démocrate, t'a accusé Donald Trump pour fraude ak magouille que t'a fait pour couvrir un paiement de 130 000 dollars que l'État fait dans le dernier jour campagne présidentielle 2016 là, pour acheter silence, fermer bouche, vedette porno Stormy Daniels là, sur une rencontre sexuelle, yon crasé que l'te bali, dans l'année 2006. Donald Trump t'a démenti accusation ça yo. Elle t'a dit que le pas de aucune relation comme ça avec vedette film porno Stormy Daniels. Elle t'a plaidé non coupable. L'y dénoncé jugement avant l'te entré dans la salle tribunal là. Ça, c'est persécution politique. Pas de monde qui j'aime ouais bagaille comme ça. Et puis encore, c'est un cas qui pas ta doué j'aime présenter. Pendant que l'ancien président en dedans tribunal là, un type manifestant anti-Trump, axipoté Donald Trump, t'est rassemblé du tribunal criminel Manhattan dans New York. C'était une face à face côté que manifestant yo t'est manqué mettre main. Jamie Bauer, qui est un manifestant anti-Trump, t'a dit: nous très contents que Trump finalement dans jugement dans un dossier criminel. Il y a 88
8 crimes contre lui. 34 là dans ici là dans New York. Consentons nous content que c'est dans New York parce que nous senti que tribunal New York que sans parti pris et puis juste et jury New York qui a sans parti pris. Nous va suivre jugement pour 6 semaines qu'a venir là et moi espérer que ballon verdict coupable. Mark Wofford Levitt lui même tout son manifestant anti-Trump. It's a wonderful day for a trial and for the rule of law. C'est un bel jour pour le jugement et pour respect la loi et moi apprécier respect la loi ça. Moi c'est un citoyen et moi senti que pas gain aucun garçon ou soit femme qui pire passer la loi. Jean lui-même ils sont supporters Donald Trump. I'm here to support Trump, you know, it's getting to a point where it's really moi c'est là pour me supporter Donald Trump. Ou connaît, bagaille ça arrivé dans un point côté qui vraiment ridicule. Yo vinn sous lui à un pile en différent. Pas une dans ça a été déclaré sous lui pendant 4 années, c'est bagaille différent. Il a essayé joindre une façon pour camper lui et puis il a essayé empêcher un opposant politique gagner élection. Madame ça, Laura Loomer lui-même tout laissé un supporter Donald Trump. L'important pour ici, t'as pour supporter président Trump, puis gros président qui t'es jamais gagné. Pendant que la CBI ou l'autre persécution, nous ouais que l'administration Biden, avec département justice, avec toute possibilité corrompue ça y est. Montancou Alvin Bragg, avec Laetitia James et même juge Marchand, y'a voulu proposer que nous avons un système justice. Ça nous ouais qu'à dérouler là, c'est un système injustice. Y'a dit coupable pas qu'à empêcher Donald Trump candidat pour poste président, mais moitié d'un vote indépendant y'a avec une sous 4 voteurs républicains dit qu'il n'y a pas voté pour lui si il est arrivé condamné d'après un sondage que Reuters Ipsos a fait pour VOA Creole. Valérie Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis. Dernière nouvelle, il fait qu'on est que eh ben, il fait prend 6 jurés. Nous connaissons que depuis hier, il a fait processus là pour être capable de 12 jurés, donc 12 membres jurés avec 6 suppléants. Donc, qu'on y a, il a joué 6. Donc, processus là a continué. Donc, rendez-vous demain pour actualité. Et puis, l'autre point dans actualité, nous parlons en Amérique du Sud, un pays Venezuela qui ferme et ambassade li, ou bien toute représentation diplomatique li, dans le pays Équateur qui trouvait dans conflit diplomatique avec Mexique. Serge Rodriguez, un détail. Autorité dans le pays Équateur t'est poté bourré dans l'ambassade Mexique dans la capitale Quito, dans le 5 avril passé, pour poser arrestation ancien vice-président équatorien Jorge Glass. Qui t'a pris refuge dans la mission diplomatique Nation Azteca à la recherche d'asile politique, y ont demandé au gouvernement président Andrés Manuel Obrador a été agréé puis bonheur dans la journée vendredi ça. Action Silla a été débouchée sous suspension aux relations diplomatiques entre deux pays. Avocat accusé, M. Sonia Vera, a demandé assistance pour côté Commission interaméricaine des droits humains, Conseil de sécurité des Nations Unies, mais avec Assemblée générale de l'Organisation mondiale là, pour joindre une solution sur le dossier. Dans le coup de 4 là, pays Mexique déposait une plainte contre Équateur devant haute cour de justice l'ONU pour être quitté au violé traité des Nations Unies sur relations diplomatiques. Pendant ce temps, il y a un gros développement dans le dossier SILA qui peut être signature président Venezuela Nicolas Maduro qui bail l'ordre pour faire mettre toute représentation diplomatique li dans la capitale équatorienne, yon façon pour protester contre détention ancien vice-président équatorien Jorge Glass. Moi, passe l'ordre pour fermer ambassade nous dans l'Équateur et puis fermer consulat nous dans Quito, dans la ville Guayaquil, et puis pour personnel diplomatique là retourner dans Venezuela. Et de Venezuela fait gros exigence tout côté li mandé pour Équateur retourner M. Glass by Mexique. Y Venezuela va exigir que el gobierno de Ecuador. Venezuela va exiger pour le gouvernement équatorien retourner ancien vice-président Jorge Glass by Mexique, qui offre lui asile politique pour le cas où prendre état santé. Ce pour parler, le gouvernement équatorien a précisé tout le monde qui a démêlé avec la justice nation équatorienne n'a pas le droit de bénéficier de protection dans une ambassade étrangère. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et oui, c'est un conflit diplomatique entre Mexique avec Équateur qui toujours dans l'actualité a et gan pile réaction qui sorti là-dedans notamment bon côté les États-Unis qui les mêmes condamné et question ça le fait que eh ben gagne un policier Équateur qui entré dans ambassade Mexique dans ville Quito dans pays Équateur et gain l'autre réaction encore gain organisation état américain qui était réuni sous lui gagne Nations Unies tout qui réuni sous lui donc gain plus instance internationale qui toujours a opiné sous question ça ou souvenez ou à créole ou suivi un programme dans langue créole haïtien.
ou toujours sauver au accord, on suivi un programme dans langue créole haïtienne à peut depuis Washington DC et ça fait nous plaisir est-ce que nous connaît ou branché dans moment actualité dans pays d'Haïti c'est conseil présidentiel transition qui toujours pour qu'on connaît qui l'est l'a installé et ça fait dans mi-temps y a un paquet de confusion qui gagne par rapport à arrêté qui sorti dans le moniteur d'après un dernier note que ministère culture à communication sorti et ben il précisait que la fin nomination membre conseil présidentiel de transition dans plus bon délai et dans plus bon condition donc un dossier que n'a suivi pour pendant ce temps un mouvement 29 mars qui regroupait plusieurs dizaines organisations socio politiques qui dit que eh ben yo même yo plaider en faveur installation conseil présidentiel transition Renan Toussaint a dit nous plus depuis Port-au-Prince dans pays d'Haïti. Reginald Dumé qui c'est yon Petro challenger avec Josué Sterville responsable CRIPEP dénoncé attitude équipe gouvernementale Ariel Henry par rapport à l'enterre qui enregistré dans le processus pour mettre camper conseil présidentiel transition. Là où moun ou prend l'état ou fait tout jouet théâtre ça ou. L'état tout nous théâtre. Arrêtez sorti ou dit non, l'état encore démenti, l'état sorti, l'état dit non. C'est son problème, c'est valeur pays a, c'est sacrifice que les anciens, spécialement en prière, ont fait Jean-Jacques Dessalines. Nous venons des politiciens, nous-mêmes comme jeunes qui va faire politique, t'as pour un hasard, nous-mêmes qui allons à l'école politique, qui fait science politique, nous venons des politiciens. Bon, quand on arrive, patriotisme, il est primé sur l'idéologie politique. Ça me dit qui ça? Nous, dans l'effondrement d'Haïti, là. Intérêt, mais ce qui est intérêt personnel, si pas gain Haïti, pas gain intérêt. Ni vous pouvez, ni vous même intérêt mes qu'on là, pas bien, parce que tout intérêt là sorti de Haïti. Je dis à idéologie gauche ou droite, c'est pas lui qui a mené ni à gauche ni à droite, parce que je dis à si Haïti effondré, idéologie là va pas faire rien avec elle. Non c'est ça. Nous venons dire négro, patriotisme, il est primé sous idéologie politique, c'est ça où elle est pour transcender, c'est ça où elle est pour faire un déplacement de soi. C'est ça qu'on est pour dire, au fois, nous-mêmes qui avons fait politique depuis 37 ans, nous-mêmes qui toujours dit, c'est nous qui avons participé dans cette élection, nous-mêmes qui toujours participé dans cette transition, et nous prêtons-nous là. Il y a un dossier qui provoque un pile controverse en la société, puisque il y a des gens qui pour conseil présidentiel, il y a des gens qui pour choix, il y a un juge au niveau de la cassation. Où est-ce que tout ça? Pour VOA Creole, pour Dobles. Merci, Renan Toussaint. Donc, c'est confusion ça qui gagne. Il y a un petit secteur qui est d'accord avec l'installation conseil présidentiel de transition. Nous connaissons qu'il y a 9 membres avec 2 membres qui n'ont pas droit de vote. Mais vendredi qui s'est passé là, il y a un arrêté qui s'est sorti et qui paraît dans le journal officiel Le Moniteur qui est parlé de conseil présidentiel là, mais sans que nos conseillers pas sorti parce que d'après information, t'as semblé que yo conseiller yo gen des formalités pour yo rempli pour yo capable vraiment éligible pour yo vinn faire partie de conseil et présidentiel de transition. Pendant ce temps grand pile réaction qui sorti gen moun qui par exemple partie prenante qui nan formation conseil présidentiel de transition qui rejeté arrêté qui sorti dans le moniteur et qui fait qu'on est que eh ben yo même yo retiré yo remanié et accord politique que parti prenante yo te joindre. Donc jusqu'à présent son situation qui compliqué et personne pas connaît qui le que eh ben conseil présidentiel de transition a installé surtout que pour qu'on gagne non vraiment. Donc et pendant ce temps gagne l'autre secteur tout dans vie nationale là que même cap mandé pour y aller dans et cour de cassation pour choisir un juge qui régulièrement nommé et là encore et juridiction son l'autre problème encore l'ordre régulièrement nommé hein, c'est qui gens que régulièrement nommé hein. Donc n'a suivi pour VOA créole toujours absurde pour nous. Et puis l'autre point dans actualité a plusieurs responsables organisations et partis politiques dans ville Saint-Marc qui ont même ba opinion sous débat qu'a fait sous installation conseil et présidentiel transition. Nous gagne sur place Junior Racine. Déportation haïtien par ban ak pa paquet sous frontière Haïti ak République Dominicaine après impossible. Selon quelques chiffres OIM communiqués sur site li, sorti février, les situations insécurité a vin pi mal en Haïti pour arriver avril 2024, autorité dominicaine yo déporté environ 7000 haïtiens.
série déportation ça yo fait dans quatre points officiels frontière Haïti à République Dominicaine. Belader, Wanamet, Malpass ak Ansapit. N'importe qui joue, n'importe qui l'est. Aya lundi 15 avril 2024 là, qui c'est un jour marché en deux pays yo, pendant activité commerciale a déroulé, VOA Creole t'a constaté environ 3 camions immigration dominicaine chargés ak haïtiens sans papier, autorité dominicaine yo voye tourner en Haïti. Aucun nan yo pa te vle parler dans la presse. Pour ça qui gen awe ak marché d'Arabon, condition yo pas changé. Pour yon haïtien entrer à l'acheter en dans marché a, faut qu'il fait empreinte. Aucun haïtien pa gen droit dépasser limite marché a. Sinon, autorité immigration dominicaine Kenyo a arrêté ou et déporté ou sous place. Mais les marchés font ça ou bien aujourd'hui? Jodley Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Creole. Merci Jodley qui t'a parlé de déportation qu'a fait en République Dominicaine malgré difficulté, malgré problème, malgré crise qui gagne dans le pays d'Haïti, mais gagne déportation qu'a fait et il t'a parlé qui Jean marché qui sous frontière P2 pays partagé et qu'on y a tant qu'on t'a annoncé, nous pas rejoindre Junior Racine qui pourrait le banou et opinion quelques organisations sociopolitiques sous débat qu'a fait sous installation, conseil présidentiel de transition. Plusieurs responsables organisations et partis politiques dans ville Saint-Marc baillent opinion sur débat qu'a fait sur installation nouveau conseil présidentiel là après gouvernement démissionnaire Ariel Henry a d'accord publié décret création conseil là. Dans une interview ancien magistrat Saint-Marc là baille la presse sur installation nouveau conseil neuf en blanc coordonnateur départemental la Tibonite là parti politique Uniforce là Charlino Thompson t'a réagi comme ça. Pour conseil présidentiel là moi je pense que on dit là quoi qu'a fait. Et c'est démagogie et gouvernement lui-même l'a fait parce que je vous dis en une situation que le gouvernement ça mette pays à camper l'autre gouvernement qui passait déjà donc quoi que pays a pas gagner dilatoire encore et il y a un ensemble de monde qui a discrédité le conseil présidentiel là moi je pense que c'est malhonnête et c'est là où jouer nous. Et je dis non, c'est politicien. Parce que pour quelle raison, pour quelle que soit raison, moi je pense que c'est un conseil présidentiel qui peut gagner. Et le conseil présidentiel, ça, il réunit tout secteur dans la vie nationale. Là. Donc, puisqu'il y a tout secteur là-dedans, moi c'est là que le pays est capable de faire une chance pour être capable de râler en souffle. C'est international là tout pour nous attendre. Par conséquent, moi je pense que le gouvernement doit prendre décision pour les publier. Non, moun qui fait partie du conseil là. Pour ancien magistrat, problème non, pas un problème technique, c'est un problème politique, c'est une réponse politique qui pour résoudre crise là. Coup de cassation, c'est moi pas que vouloir être pièce instance. Coup de cassation, mais nous on est jugé mal nommé, ça c'est premier bagaille. Et deuxième qui bagaille dans coup de cassation, je veux dire on pas ou pas une crise et technique, on va dire une crise sociopolitique. Son crise politique liée, toute réponse pour valider son réponse politique liée. Là, on coup de cassation, là, on va dans politique. Bon, côté parle, Rolmi Aksida, qui c'est secrétaire mouvement populaire, Balati Bonitla, Mopob, si pas gen un yen qui fait dans le jour qui vini là, yo pral passer à qui on l'autre vitesse. Dans ce sens, nous avons lancé un appel avec toute organisation de base, avec toute organisation politique, si dans le jour ça yo là, gouvernement pas décidé, publié liste 9 membres conseillers qui va diriger le pays pour avoir une bonne sécurité, pour le peuple à soulager, pour le monde qui Port-au-Prince, pour les marchands de Gavane, nous allons mettre pieds à terre. Et cette fois-ci, nous allons frapper pieds nous. Pour... Métropole Bazantibonite-Saint-Marc, Junior Racine, la voix de l'Amérique. Merci Junior Racine, nous voulons de façon spéciale saluer tous les amis qui dans le moment ça a branché sur toute plateforme Véro Acréolio pour se suivre. Rendez-vous info, moi c'est Jacqueline Bélizère. Je connais que gen moun ki a su de très près et bouillon boule qui gen jodi a mes amis gen c'est quart de finale retour.
amis, et Paris Saint-Germain 3-1 sous FC Barcelone, pendant que Borussia Dortmund 2-1 sous Atlético et Madrid. Donc ça veut dire, dans le moment où on a parlé là, Paris Saint-Germain a pratiquement qualifié pour semi-finale. Donc mes matchs là, poco fini, ou souvé ou akriol. On nous reprend actualité à politique, et bien avec crise dans le pays d'Haïti, avec représentant et spécial secrétaire général pour Timoun à conflit armé, Virginia Gamba, qui exprimait une pensée spéciale pour Timoun à jeunes dans le pays d'Haïti, surtout avec violence qui gagne dans le pays. Gentil Augustin Junior. Les jeunes là et les enfants d'Haïti sont les oubliés du monde. Interview dans New York 12 avril passé, Virginia Gamba, représentant et spécial secrétaire général pour Timoun ak conflit armé, dit que monde l'oublié jeune ak Timoun yo en Haïti et personne pa vle aider yo. Li te continue pour dire: nous sommes en train de faire une monitoring, une surveillance de la situation de les 6 violations graves contre les enfants dans Haïti. Et c'est épouvantable. Et la violence sexuelle, c'est épouvantable contre les jeunes filles. Le recrutement et usage des enfants pour assister à les gangs, c'est une chose forcée. Mais plusieurs des fois, il n'y a pas aucune autre possibilité pour les jeunes personnes d'Haïti de faire quelque chose pour manger que d'accéder à être utilisé par ces gangs. Depuis les conflits entre gangs armés qui ont commencé en Haïti, soit pour gagner plus de territoire, soit pour allier yo, ou soit pour goumer contre gouvernement en place là, couche dans la population un phénomène ça plus frappé, c'est jeunes yo, timoun yo, actifi yo. Madame Virginia Gamba, dans interview dans New York, te dit li gen gros la pérèse pour jeune sa yo. I think that there is moi pense que gen yon gros quantité zam kap entré en Haïti que gang yo ap utilisé. Moi absolument convaincu que yon nan pi gros la pérèse moi c'est que pi jeune yo en Haïti takatou vin victime trafic, et spécialement ti fi yo pour raison sexuelle. D'après représentant et spécial secrétaire général pour Timoun ak conflit armé, toute communauté a doit gagner un bon avenir et yo doit traîner dans avenir ça tout monde qui victime yo. Li fait konnen tout pour joindre une réponse à situation ça qui a ravagé Haïti a, ça pral mande en pile ressources ak en pile l'argent. Ma préoccupation c'est que le monde s'oublie de Haïti. Il y a plusieurs de crises mondiales et beaucoup d'argent est en jeu dans tout le monde. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour la réintégration des enfants de la guerre ou même pour qu'une communauté puisse avoir une chance de sortir de la violence. C'est possible? Oui, c'est possible. Mais c'est urgent que les États membres et même la société civile organisée puissent avoir des fonds pour faire ça. Situation Haïti trouvée là, toujours dans mi-temps en pile discussion dans international là, dans souci pour voir comment yo ka joindre une solution avec acte local yo pour permettre la vie reprendre dans pays ya, et spécialement résoudre problème gang armé yo. Timoun yo qui pas ka à l'école, toute institution l'état yo qui pratiquement fermé et pays ya qui pas gagne un représentant élu depuis après la mort président Jovenel Moïse 7 juillet 2021. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Miami. Merci Gentil Augustin Junior. Mes amis, n'a fini avec Boula. Nous connaissons que nous pourrons sortir, nous pourrons quitter, nous pourrons le faire dans le programme là. Et match pourquoi fini? Mais dans le moment n'a parlé là, et ben match là 2-2 entre Borussia Dortmund avec Atlético Madrid et puis FC Barcelone lui-même li gen yon gol et puis Paris Saint-Germain gen 3 gol. Donc 3-1, donc pratiquement Paris Saint-Germain t'a supposé qualifié. Et puis demain a gagné match encore, gagné Real Madrid qui a joué contre Manchester City. Match a été fini 3-3 dans le stade Santiago Bernabeu. Et puis a gagné Arsenal Bayern de Munich. Match a été fini 2-2. C'est là nous mettez fin dans le programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Merci Franklin, thank you so much. Et puis nous remercions Jean-Marc Hervé Abela et puis tout l'autre monsieur, sans oublier monsieur Fred Kaimit. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacques Lambélizère et à demain. We'll be right back.
Devant caméra la presse, avocat Guy Philippe là, nous voulons parler Joseph Jean Luchet qui déclarait la presse voit en pile menace la mort. La presse voit en pile menace la mort, Blaise Peterson. Songez que monsieur était victime déjà. Yeah. Dans quatre batailles qu'il a mené, monsieur bala pas être difficile pour lui. Lui mandé avec les partisans et sympathisants Guy Philippe pour résoudre la bataille avec Kembe Framboa pour Guy Philippe arriver prendre pouvoir. Alors, si Guy Philippe n'est pas arrivé pour pouvoir, tout le monde qui te réclame comme partisan, sympathisant Guy Philippe, ça n'est pas dans le pays, il y a obligé Mao, parce que c'est pour aller l'autre régime Boudi, un régime vengeance. Yeah. Et là, dans le gouvernement, et couleur cette tête, qui gagne carré comme département d'État, l'Occident, nous ne pouvons jamais ça. Dans le pays dans le monde, côté Canada, la France, intéressé comme ça, avec. Intégré dans ça qui vient pour elle avec dossier politique pour voir en dedans pays ça ou blesse personne. Pour tellement l'Union européenne fait arrogance pour demander nomination conseil là. Pour venir régler si ça fait pas non pas pays d'Haïti. Nous-mêmes, les acteurs haïtiens, la presse en particulier, mon yo kap gade population qui a l'espoir sur nous, garantie ou, gade moun nan parle ou blesse personne. Yo dit si presse haïtienne, prend position. Yo dit non avec question conseil présidentiel, neuf membres blancs qui pas en faveur pays à département d'État. Car comme y a tant de la raison. Mais malheureusement, presse haïtienne fait promotion pour lui. Yo pas de faire promotion pour ça qui est légal. Yo pas de faire promotion pour ça qui gagne légitimité populaire. Yo conduit côté nos pralé à. En pile nan moun yo, en pile nan acteur ou on m'a l'épanje sous tête pays à blesse personne. Nous pral gade. Question insécurité dans le département de la Tibonite. Continuez à faire chemin. C'est un coup monnaie courante. Mon commune Lyonkou, par contre, qui 5 que vous devez adresser? Kidnapping, viol, vol. Dans la commune Lester. Jou m'a dit, c'est jou marché Lester. Lester pas qu'à fonctionner. À cause de Koko Atsanras qui achète zone ça pour l'argent en poste, qui a tiré coup de zam presque chaque jour dans zone empêcher citoyens de vaquer avec activité pendant la police. Jean-Louis Paul Ménard, qui a 8 mois depuis installé comme directeur départemental de la police dans le département de la Tibonite, même une intervention pour t'arrêter on mouche, par exemple, fait aller ouais pour t'arrêter, bandit dans le lieu de l'expression. Nous allons regarder ensemble pour ça, avec divers lots que vous pouvez ajouter avec les amis internautes. Cap gardé, cap tendé, et dans 4 émissions, là, après qu'on finit d'ajouter, point qu'on pourra l'ajouter, nous allons directement plonger dans l'espace. Salutations aux amis internautes qui étaient fidèles à nous, après nous avons salutation pour nous plonger dans l'arrière, dans la capitale pays, pour nous ajouter, correspondant. Collaborateur, confrère nous pour nous qui j'en porte au bref, levé pour matin et qui j'en activité et blesse personne. Effectivement, les Ibénés, ça que je vais ajouter comme point et dans l'émission aujourd'hui, je vais demander et avec Zamé et Terno qui peuvent suivre l'émission ça aujourd'hui. Moi, c'est que je viens de dire qu'il y a 3 tendances de Yoran là, 3 tendances. L'aime dit 3 tendances, non? Ça veut dire, moun qui dans le conseil présidentiel qui arrive comme transition, hein? Moun qui dans le cours de cassation, et moun ki nan déclaration 5 mars qui dit que yon nan Guy Philippe. Eh bien, moun ka mande quel que soit moun ki pral regarder émission ça dans commentaire ou comment on pral faire. Si que ou nan conseil présidentiel là dit moi d'accord pour conseil présidentiel là dans commentaire là. Si c'est dans cour de cassation hier, ou dit que moi pour de casse et moi pour cour de cassation et raison. Et si on nan déclaration 5 mars qui Blé Guy Philippe là, ou a dit moi pour Guy Philippe. Ça veut dire monsieur que nous démasquer moun ka fait hypocrisie yo. Zami internet qui dans hypocrisie yo, nous monsieur démasquer yo. Si on a Guy Philippe, ou a dit on a Guy Philippe. Si on a coup de cassation, ou a dit on a coup de cassation. Et sous un conseil présidentiel, ou a dit on a conseil présidentiel. Et fait ça pour moi comme exercice. Dans le commentaire que nous allons faire, en bas, vidéo émission ça, qui s'est parlé pour changement, dans ensemble de médias, son ensemble de médias, que nous allons garder émission ça aujourd'hui. Désir, ça me rajouter comme point, c'est que, Game at Issue Théophane,
Les que monsieur apprend que arrêté tiré 14 A, li prend la rue le moniteur là. Monsieur déplacé avec un juge de paix, avec un greffier pour al constater dans presse nationale dans Pétionville. Pour le cap vérifier, excusez, est-ce que effectivement document ouais, est-ce que c'est presse nationale, est-ce que c'est là le sorti vraiment? Est-ce que le vérité? L'élevé, secrétaire général presse nationale, là, on n'a pas dit Ronald Saint-Jean. L'idée de refuser, bah, ni mettre instructeur au fait, ni juge de paix, hein, ni greffier, hein, faire constat ça, yo. Secret d'État. Hein? Secret d'État. Secret d'État. Bon, tout le monde est à l'État dans la rue, secret d'État. Parle. Qui va aller secret d'État? Secret d'État. Là, tout le monde est à l'État dans la rue, là. On va parler secret d'État. C'est un job difficile pour te quitter instructeur au fait, avec tout avocat à rentrer. C'est ce qu'on appelle secret d'État. OK? L'État, ça va être secret, c'est vous, ça. Même ministre justice, ou bien ministre communication, ministre qui tient à communication, lui connaît que c'est eux-mêmes qui entendent pour faire jouer qui a fait là. Monsieur Desson. Mais Ronald Saint-Jean, comme journaliste, confrère, malheureusement, qui rentre dans la boue senti, comme cochon, et pas n'importe cochon, permettre que je me dise le genre, qui a le baigné. Non, mitan équipe criminelle assassin sa yo, li oblige servi yo. La fait casser fait couvrir ça. Bien qu'elle connaisse yo même, qui mande pour le publier, arrêter ya, et lui même, li oblige faire couverture pour yo. Pas de la sale tête, li blesse vide son. Ça veut dire, les mêmes je dis, ça qui mal, hein? Au lieu que yo recevoir li, c'est l'autre yo ben agent sécurité ya, pour capable faire mes barrières et faire mes barrières en dehors avec moun zayo. Et, mais il se dit, au fait, tout fait rapidement, qui est arrêté la presse journaliste, vient faire constat. Et l'EMC vient commencer à parler, et même secteur général, là, selon M. Istrix et Théophin, l'IRE Bayelot avec agent sécurité qui te fait mes barrières avec Mounio Andan pour relouvrir barrière pour Mounio capable de sortir. Il a kidnappé, mon cher. Istrix Théophin pas intelligent. Ça, c'est enlèvement. Enlèvement avec séquestration. Ou pas, on ne peut pas vivre dans l'institution pour venir vérifier. Et qui a droit ça? Et qui a droit ça? Avec ça, c'est à la conquête des formations pour faire sécurité fermée. Ça a été séquestration, c'est kidnapping, ça a été. Et ça me dit, malheureusement, que Saint-Jean comme journaliste, lui trouvait une situation comme ça. Parce que le gouvernement qu'il a servi, son gouvernement assassin, kidnapper, eh bien, il a été injecté ça dans le pour la prendre séquestrer les gens. Ça, c'est des points que nous allons regarder, nous allons analyser. Gagné ancien sénateur Jean-Renel Senatus, qui mettait un restrictif sous pied, bon, un restrictif conjecturel. Pour garder comment que yoka allait dans cours de cassation. J'ai pas oublié, sénateur comme avocat, comme ancien commissaire gouvernement, et comme et ancien sénateur, qui connaissait la loi dit, mais qui a fait politique en même temps tout. Eh bien, lui, quoi que je dis, hein, que son conseil présidentiel, ça, il va jamais mener pays dans la bonne direction, il va jamais mener pays dans la bonne route, parce que remet pouvoir avec neuf mouns, de neuf tendances différentes, de neuf chapelles différents, ça dit que neuf mouns ont pral défendre intérêt yo. Et les pral gagne élection, ou pral gagne que, mais c'est presque neuf partis sa yo, c'est neuf inscriptis sa yo qui pral remporter et pral faire rafale dans l'élection pral gagne la yo. Mais dans ce sens, ça, li kwe que avec un juge dans le cours de cassation, qui n'a pas gagne aucune chapelle politique, et je tiens là, mais c'est là pour y aller, et c'est là que, pour y arrêté d'après ça qui dit bon côté, mais Jean-Renel Senatus. Nous allons regarder ça, comme prenez l'émission des Ivenes, j'en dis hein, pendant que nous allons dans la rue, hein, parce que nous apprenons que mardi 16 avril 2024, là, en pile coup de balle, tap chanté dans la zone Carrefour-Nouillard, parce que ti messieurs vivant Samyo, yo tap tenté détourner plusieurs camions marchandises dans la zone ça, et la police, à travers ti blende ça, tap essayé boucanter coup de zam avec Negio. En même temps, tout, nous apprenons que zone Carrefour-Aéroport, t'es que coup de zam qui tap chanté tout, et comment zone ça yo yé, est-ce que, moment n'a parlé là, est-ce que situation retourne dans la normalité li, mais est-ce que la police continue à boucanter quand écoute ça avec nek armé ça yo. Nous allons regarder ensemble des points ça yo, nous allons analyser ensemble des points ça des Ivenes. Entre temps, on nous aller non salutations amis nous yo. Que bien, blessé de son, nous et chapeau pour nous saluer au monde tako Robert Sonsil qui toujours grand nous dit merci en pile. Mon sens c'est pour révolution à Kagi Philippe Kewe dans cadre commentaire yo. Gain Marino Zifor et qui entend les mêmes dit fort haïtien yo et rete pour suspendre mandé diaspora pour voir l'argent
en Haïti, parce que faut que et diaspora ou même Antonio pour capable ouais qu'ils ont capable organiser et communauté haïtienne là qui dans diaspora qui cap permettre que vous pratiquement évoluer et pour participer dans le réseau de crise qui gagne dans le pays d'Haïti depuis un bon bout de temps parce que Haïti n'est pas pauvre. D'accord avec Marino Sifort, mais quelque part Marino Sifort, pardon. Et bah la difficile en bas c'est vrai. Moi d'accord pour nous organiser nous et côté nous yéan, mais dans moment là si gavon $50 ou $100 ba moun nou gen Haïti, bah c'est quand même ta caisse en pile. Même d'accord pour nous organiser nous parce que nous voulons que diaspora prend place li dans nouvelle Haïti. Très bien. N'a saluer Dessaline Lespinasse qui branche tout lui même c'est moun Guy Philippe Kelier parce que il dit vive Guy Philippe dans commentaire qu'il gagne. Nous saluer et Bovaro et Rivala qui toujours branché tout. Nous dit merci en pile pour écouter tout monde sortir moun Guy Philippe Kelier. Nous dit merci. Les users qui branché n'importe partout qui dénoncer conseil présidentiel et neuf têtes ou sept têtes là, ils sont équipe vagabond, ils profitent occasion pour lui les vive Bessa ak vive Guy Philippe. Nous saluer Nana NP qui branche nous tout, lui dit en nous relais ensemble vive Guy Philippe, parce que c'est ça qu'elle te dit. Pendant que la voix avec salutation, mon côté collaborateur, nous désir Venesse, qui est même cap déjà gardé avec Nana. Bessap, yo Antonio. Yo Antonio pour regarder ça. Nous saluons Suzette Jean-Baptiste qui tout branche, qui entendu, qui lui-même c'est pour Altenor Batelmi, qui est lié, et pour président. Le coup de cassation qui est lié lui-même. Nous saluons Michel 5412 qui est toujours avec nous, qui montre niveau fierté générale, spécialement notre travail que nous avons fait là aujourd'hui, qui mettait bravo pour M. CPO et Fashion Miwa. Il demandait pour mettre Fashion Miwa. Parce que ça qui a passé dans le pays, il a lui demandé. Il faut que Monsieur CPO vienne dans le Miwa. Il a regardé, invité qu'il ait gagné. Il a dit c'est un jeune garçon qui paraît pour aider la jeunesse à dans sa lien avec ça, qu'il a pratiquement émettre comme opinion. Nous saluons Junior et Innocent, t'as qu'on est, est-ce que bien dit, qui est le vif Guy Philippe lui-même, nous dit merci en pile, nous saluer Guy Tonelson, qui toujours avec nous, nous dit mon merci, et nous remercions en pile, Geneviève Augustin, c'est mon panneau, mon message nouvelle, les infos, pas une nouvelle, votre calbas info, racine nouvelle Haïti, mon sa ou pas, j'aime pas là, ou tout qui te commentaire, nous saluer Robert et Latour, Jean-Robert Latour, qui toujours avec nous, tout blessé ensemble, nous remercions mon sa en pile, Albert Kili, nous dit bonsoir, merci en pile pour écouter avec fidélité. Mais de toute façon, je vais me quitter en bas parce que vous avez